Tu as 5 secondes pour t'abonner à la chaîne YouTube en appuyant sur le bouton rouge et en activant la cloche et mettre ton petit pouce bleu si toi aussi tu veux que dès demain, en allant à l'école, que l'école soit fermée. Donc si tu ne veux pas aller en cours demain, tu sais ce qu'il te reste à faire. Pour les potes, avant de commencer cette vidéo, on va récapituler tout le sommaire et qu'est-ce qu'on va voir exactement dans celle-ci. On va voir que la saison 11 a été annulée de plusieurs jours. Fortnite ont reporté la saison 11 et vous allez voir que c'est franchement dégueulasse de leur part. En plus de ça, on a trouvé des skins en thème avec la saison 11, du coup ils ont beaucoup de chance d'arriver dans le pass de combat. Et en plus de ça, on verra tout simplement des découvertes exclusif et des skins gratuits avec les défis ultime effort. Donc on voit ça dans cette vidéo, la Team Burger, c'est parti. Du coup la Team Burger, on va commencer cette vidéo en récapitulant un peu le principal qu'on va retrouver dans cette saison 11. Vous le savez, la saison 10 se termine très bientôt et Fortnite tout simplement aujourd'hui dans la mise à jour a retardé la saison 10. La saison 10 devait arriver tout simplement dans 4 jours et Epic Games ont rajouté des jours et maintenant elle se termine dans 11 jours. Donc pourquoi Epic Games ont plus que doublé la fin de la saison 10? Car les potes, c'est vrai que là la saison 10 devait vite se terminer, mais Epic Games se sont dit non, on va continuer à la reporter et tout simplement la fin de la saison 10 sera dimanche le 13 octobre à 20h. Donc pourquoi à 20h? On ne sait pas exactement si Epic Games vont encore modifier la date ou autre, mais tout simplement en heure européenne, la fin de la saison 10 sera dimanche à 20h. Donc peut-être qu'une heure ou deux heures après, on pourra relancer en saison 11. Donc c'est très bizarre que Epic Games font ça à 20h. Donc je sais vraiment pas ce que ça risque de donner. Ça se trouve, on risque de découvrir la saison 11 un dimanche soir en live. Ça se trouve, la saison sera disponible vers 22h. Franchement, aucune idée, j'attends de voir ce que Epic Games met en place ou s'ils nous communiquent d'autres dates par la suite. Mais pour moi, la fin de la saison 10 officielle, c'est le 13 octobre à 20h. Donc les potes, soyez présents sur vos écrans et n'oubliez pas la cloche pour ne pas louper le live. Bon, maintenant les potes, vous êtes au courant de la fin de la saison 10, le jour exact, etc. On n'a toujours pas la date avec l'événement. L'événement, c'est bien évidemment le décollage de la fusée A2C Depot entre le visiteur et le scientifique. Donc pour ceux qui se demandent, ne vous inquiétez pas, l'événement arrivera bientôt. Epic Games vont nous communiquer une date, etc. Il y aura les télévisions qui vont s'allumer. Ça, je vous avais déjà expliqué ça dans une vidéo. Mais on a trouvé des décorations dans les fichiers de jeu qui seront disponibles lors de la saison 11, car les personnes qui ne sont toujours pas au courant, la saison 11 sera sur le thème de Fortnite Mars, donc de Halloween, et on a beaucoup de choses à ce sujet, donc c'est franchement très intéressant. Bien évidemment, comme décoration principale, on a retrouvé dans les fichiers de jeu des décorations Halloween. On a simplement l'espèce de marmite avec la sorcière à l'intérieur. Donc il y aura normalement un défi, vu qu'il y aura des défis Fortnite Mars, comme à chaque saison à Halloween, il y a des défis Fortnite Mars. À chaque fois que Fortnite font une saison Halloween, ils rajoutent souvent des défis en thème ou supplémentaires qu'on peut débloquer gratuitement. Donc on a simplement cette décoration qui va pop tout simplement dans plusieurs maisons. On aura simplement un défi, vous voyez sur l'image que ce sera quelque chose qu'on pourra utiliser, c'est un sac de bonbons. Donc on voit des bonbons, ça se trouve on pourra même demander des bonbons en sonnant aux portes, vu que vous savez que Fortnite ont mis un petit système pour sonner aux portes depuis l'année dernière. Et en plus ça, on aura une décoration qui sera animée dans le jeu. Tout simplement, ce sera un espèce de lama, comme vous voyez à l'écran, un espèce de lama gonflable et il sera animé. Alors je m'explique, tout simplement juste en bas du lama, il y aura cette espèce de dispositif et ça va envoyer de l'air et le lama il va bouger un peu dans tous les sens, un peu en mode fantôme. Donc ça, ça va vraiment être stylé. Il y avait ça l'année dernière et Epic Games ont décidé de le remettre. Donc pour ceux qui se demandent comment on fait pour le trouver, il suffira tout simplement de vous balader pendant Halloween, vu que ce sera en thème avec Halloween. Un peu avant Halloween, Fortnite vont modifier la carte, etc. Il y aura des défis Fortnite Mars Halloween et les maisons, que ce soit les nouvelles villes, etc., vont changer. Car pour ceux qui ne sont toujours pas au courant, ce sera une nouvelle map la saison 11. Et si vous voulez toutes les informations, il y aura une vidéo qui apparaîtra à la fin de celle-ci, vous cliquez dessus pour avoir toutes les infos. Bon, maintenant les potes, on a fait le tour des cosmétiques qu'on a trouvé en rapport avec la saison 11, mais c'est pas tout, on a trouvé aussi des skins avec cette saison 11 qui sont assez badass les potes. Mais avant de revenir dessus, tout simplement on va revenir sur les défis Ultime Effort. On a enfin la date exacte, on aura plusieurs jours pour les faire. Donc évidemment Epic Games devait nous les donner dans la mise à jour d'aujourd'hui, mais ils ont préféré reporter cela. Bien évidemment, on a enfin l'image officielle, même si on connaissait les skins dans les fichiers de jeu. Les voici les potes, on aura le DJ Lama avec une nouvelle version en platine, donc il est un peu doré avec le casque en platine, donc ça il est sympathique. On aura à mon goût le Ghost Rider, donc là c'est clairement un Ghost Rider les potes. Vous voyez directement que le skin est espèce d'astronaute avec la tête rouge en feu, il est vraiment badass. Donc ce sera tout simplement des défis, vous avez juste à réaliser les défis et plus vous faites de défis, bah plus vous allez débloquer les styles gratuits de ces skins. Et pour terminer, il y a le soldat facette. On aura comme chaque saison l'écran de chargement de la saison en thème, donc là c'est l'écran de chargement saison 10 avec tous les personnages. Et il y aura un petit sac à dos Game Boy de couleur rouge à débloquer, donc c'est des récompenses gratuites assez sympathiques. Fortnite n'a toujours pas communiqué de passe de combat gratuit, mais vu que à cause de la saison 9 et la saison 10, Fortnite ont beaucoup perdu de joueurs, surtout en saison 10 le jeu n'a vraiment pas très bien fonctionné. Du coup ils risquent fortement d'avoir un battle pass gratuit avec les défis pour obtenir le battle pass saison 11. Du coup regardez bien, dès que les défis Ultime Effort arrivent, faites les entièrement, comme ça si un passe de combat à débloquer vous allez l'obtenir et ça ça fait plaisir les potes. Donc faites bien vos défis, surtout qu'ils arriveront comme vous voyez à l'écran le mardi 8 octobre et la fin de la saison ce sera du coup le dimanche
13 à 20h. Et du coup, faites bien vos défis, car si vous faites pas vos défis, après, à la saison 11, il est plus disponible de les récupérer. Désormais, sans perdre plus de temps, on va revenir sur les skins qu'on pourra retrouver pendant la saison 11, et que ce soit avec la boutique ou dans le pass de combat. On a trouvé vraiment beaucoup d'informations. Déjà, on a le leaker qui s'appelle Hypex les potes, qui a leaké des skins Halloween saison 11, vu qu'on connaît le thème, comme je vous l'ai déjà dit, ce sera le thème d'Halloween, Fortnite Mar, etc. Du coup, on aura tout simplement un skin qui va être le School Trooper Néon. Donc, je vous montre directement un concept à l'écran. Bien évidemment, le skin ne va pas ressembler exactement à ça. Ce sera un nouveau skin squelette, mais il va totalement briller dans le noir en mode néon ultra. Donc alors eux ils disent néon, mais ça veut pas dire qu'il sera de toutes les couleurs, ça se trouve il sera juste vert, rouge, et on pourra modifier des variantes. Si on peut modifier des variantes, il y a énormément de chances que ce skin soit dans le pass de combat, que ce soit au début. Souvent c'est des skins qui sont vraiment au début du pass de combat, ce serait vraiment stylé, ou tout simplement vers le milieu du pass de combat, vu qu'il serait néon, ça va vraiment être stylé. Imaginez un peu vous briller dans le noir avec un skin, moi je kifferais. Ensuite de ça les potes, vous voyez directement sur l'image, il y a marqué Malghoul, donc il y a marqué Halloween Ghoul Trooper Malghoul Ghoul entre parenthèses. Ça veut dire que pour ceux qui connaissent Fortnite dès le début, il y a eu le skin Ghoul Trooper. Donc je vous montre directement une image à l'écran, c'est le skin tout simplement à gauche. Donc bien évidemment il n'est pas de couleur blanche, il est de couleur verte de base ce skin. Et ce skin est l'un des plus rares de Fortnite, et la communauté ont vraiment voulu un skin version masculin. Et du coup les potes, pendant cette saison Epic Games vont enfin le faire, on aura un skin Ghoul version masculin. Donc là c'est que un concept pour le moment, il va pas ressembler exactement à ça, mais franchement il est déjà super badass sur l'image. Donc s'il est dans le pass de combat, moi je suis super ravi les potes. Du coup ça fait plaisir. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous, ça vous intéresse d'avoir un skin Malghoul. Moi en tout cas je le veux vraiment, et ça fait plaisir. Et du coup maintenant la Team Burger, on va revenir sur les skins qui ont été leakés dans les dernières heures à l'heure où je fais la vidéo. Les skins ont été leakés dans les fichiers de jeu, du coup ils ont énormément de chances d'être dans le pass de combat saison 11. Ils ont été leakés par erreur, on a toujours pas l'image dans les fichiers de jeu. Ça a vraiment été leaké les potes grâce à des dossiers corrompus, etc. Donc je vous montre directement, on aura bien évidemment un nounours robot. Donc vous voyez un peu le nounours est en mode erreur, etc. Donc il est vraiment super badass et à la fois creepy. Et ensuite de ça les potes, c'est pas tout, on aura un espèce de skin agent secret. Donc celui-là je le vois pas trop dans le pass de combat, il a pas trop de rapport. Le nounours robot il a un peu plus de rapport avec Halloween, car on peut dire que c'est tout simplement quelqu'un qui a créé un petit robot pour se déguiser. Par contre ce skin ça m'étonnerait plus qu'il soit dans le pass de combat. Je penserais plus qu'il soit, les potes, dans la boutique d'objets au début de la saison 11. Du coup n'hésitez pas à me donner votre avis à propos du nounours, moi je le trouve super stylé. Donc s'il est dans le pass de combat c'est quand même cool les potes. Et pour terminer la vidéo, on va tout simplement terminer avec ce concept qui a été réalisé et qui est actuellement le plus beau concept de Fortnite. C'est tout simplement un skin en rapport bien évidemment avec octobre et Halloween qui a été réalisé. Donc le skin n'est pas officiel, mais vu que cette personne qui s'appelle Denny fait beaucoup de skins concept, et souvent Epic Games reprennent les skins qui sont créés par cet utilisateur, il y a beaucoup de chances qu'on ait un peu une version Lynx un peu Halloween sans le masque. Du coup ce serait vraiment super stylé avec les petites oreilles de chat, ça va super bien les potes. N'hésitez pas à me noter ce concept sur 20, je me suis dit je dois quand même vous donner un concept super stylé. Tout ce qu'on a vu avant les potes c'était officiel, ça a été trouvé dans les fichiers de jeu et ça arrivera forcément sur Fortnite. Par contre celui là rien n'est officiel, mais vu qu'il était tellement bien réalisé, je me suis dit je vous le propose quand même, et ça fait plaisir les potes. Du coup n'hésitez pas à me le noter sur 20. Et si vous aussi vous êtes hypé derrière votre écran pour la saison 11, même si Epic Games sont abusés et nous l'ont reporté de plusieurs jours, on ne va pas s'abattre les potes, on va continuer à être hype par cette saison. Du coup si t'es hype, mets un petit pouce bleu pour me faire savoir. N'oubliez pas que tous les jours sur la chaîne tu retrouveras une vidéo, que ce soit une vidéo Fortnite ou des lives. Donc n'oublie pas de t'abonner avec la cloche. La cloche, tu ne louperas aucune vidéo grâce à la notif, et tu retrouveras tous les lives sur la chaîne. Donc ça fait plaisir. Et toute dernière chose, si tu veux toi aussi gagner un skin modé sur ton compte Fortnite, c'est totalement gratuit, un petit skin, ça fait plaisir. Pour obtenir ton skin modé, t'as juste à mettre le code créateur PowerJumper en minuscule, attaché ou en majuscule. Tu m'envoies la petite photo sur les réseaux et tu gagnes ton skin. Bref les potes, c'était Power, on se dit à demain pour une nouvelle vidéo. Bye les potes.